Le ballet le plus cool de tous. Le ballet le plus unique. Le plus incroyable. Le ballet de la diablesse. La dévoreuse d'hommes. Tu ne l'aimes pas? Je ne suis pas la meilleure danseuse du cabaret. Oui, tu es la meilleure, Daniela. Ou dois-je t'appeler la... dévoreuse d'hommes? Santiago, je te jure, non, attends un peu, ne pars pas. Ce n'est pas ce que tu crois. Comme on dit si souvent, ce n'est pas ce que tu imagines. Paulina et moi étions en train de jouer. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Enfin, crois-moi. Ne dis rien, tout est très clair. Ah, mon sang, comment ça tout est clair? Pourquoi tu t'énerves? C'était pour rigoler. Oui, pour toi c'était pour rigoler. Je suis heureux de découvrir comment est la véritable dévoreuse d'hommes. Adieu. Non, Santiago. Oh, Paulina, il ne me croit pas. Il pense que je suis cette tiseuse. Allez, 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 on peut encore les rattraper. Santiago, attends-moi. Santiago, je te demande de m'attendre. Tu veux quoi? Je ne veux pas que tu partes. Paulina et moi, on s'amusait, c'est tout. Je me fiche que tu sois une stripteaseuse. Mais là, tu n'es pas chez moi, alors tu vas m'écouter, hein? Je ne suis pas une stripteaseuse. Si je l'étais. Tu vois, comme ils t'acclament, occupe-toi de ton public. Retourne les voir. Santiago! Tu danses? Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Allez, viens, on danse! Viens, ma poulette! Daniela n'est pas celle que je croyais. Daniela! Viens par là! Viens par là! C'est bon, dégagez! Hein? Viens, Paulina! Taisez-vous, vieux cochon, on serait une gamine! Salut. Salut. Dis-moi, tu sais où est allé ton frère, Santiago? Mes frères me disent jamais où ils vont. Au fait, tu as vu ce qui s'est passé tout à l'heure, non? Oui. Oui, franchement, ça a été horrible. Mais tu sais ce qui m'a fait le plus mal? Que ton frère défende cette gamine. Qu'est-ce qu'elle était sale, non? J'avoue qu'elle m'a fait peur. Moi, j'ai tout bonnement paniqué. Figure-toi, quelle horreur. Je ne le crois pas. Mais bon. C'est la fille que ton frère aime. Et il faut la respecter, non? Ça lui passera sûrement. Parce que... Oui, parce que, en ce moment, mon frère a l'impression d'être un chevalier en armure et étincelante, prêt à sauver la veuve et surtout l'orpheline. J'espère que tu as raison. Oh, mais ça m'inquiète. Parce que pour ton frère, cette femme est beaucoup plus qu'une aventure.
dernière. Non. C'est dernière. J'ai tout fichu par terre. Évidemment, j'ai tout fichu par terre. Aide-moi à enlever tous ces froufrous, dépêche. Il faut faire vite parce que je dois le choper avant qu'il s'en aille. Enfin, t'es cinglée. Tout ça ne se présente pas bien. Il m'a traité de stripteaseuse et il me jugeait du regard. Il faut qu'il comprenne qu'il se trompe sur mon compte. Paulina, Benéa, pourquoi vous avez enfilé mes robes? Pourquoi? On était juste en train de jouer. En train de jouer? Bah oui, mais Santiago est arrivé. Oh. Il a vu Daniela habillée comme une danseuse, alors il est devenu comme fou, il est parti en criant, il a même traité tous les noms. Ah, ma petite Daniela, à quoi est-ce que tu t'attendais? Il faut qu'il m'écoute, il faut que je lui explique. Et où est-ce que tu t'en vas comme ça, ma petite? Balais pas, Jérémy. Toutes les deux, ce soir, vous avez mis le feu, les gars, ils vous aiment, vous êtes bien le genre qu'ils aiment trouver ici. Écoutez, comme ils sont fous de vous. Vous pourriez travailler pour moi. Non. Ah, allez, ça peut marcher. Et en plus, je suis toujours très généreux pour les gens qui travaillent pour moi. Oh, tu peux t'asseoir dessus. Quoi? Wow. Celle-là, faut la convaincre. Pourquoi tu ne t'assois pas dessus? Allez, tu dégages d'ici, dépêche-toi. Allez. Tu vas la rejoindre. Non, tu vas pas la rejoindre. Tu me sautes la main comme ça. Reviens. Tu veux que toi te dise encore une fois ou quoi? Assieds-toi là. Assieds-toi, dépêche-toi. Parti. Santiago est parti. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas rentrer ensemble à la maison? Pourquoi est-ce que vous me faites un coup pareil? Tu captes pas? Je ne veux pas qu'on nous voit ensemble. Oh, comment je rentre à la maison? Prends ça. Trouve un taxi, ça suffira pour un taxi. Tiens. Tiens, pour le taxi, allez. À bientôt. Daniela m'a dit qu'Otilia, c'est de la vendre. Ne bouge pas. Oh. Oh, quoi? Comment ça, la vendre? Elle veut la vendre à Carmelo. Ah, mais oui. Cette Otilia mérite vraiment d'aller en enfer. J'espère qu'un jour, Daniela pourra sortir de là. Ah, oh, ça. Jamais ne laissera Michaela. Hein. Non, ça, je le sais, mais je... c'est vraiment pas de chance. T'es. La cerise sur gâteau, c'est... son fils à papa l'a trouvé en train de danser comme toi. Et il est parti. Quoi, elle y a vraiment cru? Oui, ça, je te le jure. Daniel essayait de lui dire que nous faisions que délirer, mais il n'a pas écouté, hein. Quand les ennuis commencent, ça s'arrête rarement, la pauvre petite, je te jure. Ouais, c'est vraiment pas de bol, la pauvre. Mmh. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que Carmelo est complètement obsédé par Daniela. Hein. Il faut que je m'occupe de ta frimousse. Comment, non, tu préfères le bain? Dans ce cas, laisse-moi faire. Pas vrai. Je ne comprends pas ce qu'il trouve à cette fille qui le rend fou. Il faut avouer que je ne l'ai jamais vue ainsi. Encore moins pour une fille de la rue, je le jure. Il ne réfléchit pas à ce qu'il fait, il ne réalise pas. Ça oui, pourtant il devrait. Tu sais, si ça se trouve, il est réellement amoureux d'elle. Rebecca, non, qu'est-ce que tu crois? Dès que cette petite lui aura donné ce qu'il attend, il va se débarrasser d'elle, tu verras. Dans ce cas, pourquoi tu es comme ça, si préoccupé? Eh bien, parce que... je ne sais pas comment te le dire, je m'inquiète de l'obsession qu'il a pour elle. Le même genre d'obsession que tu avais pour la femme de Diego. Rebecca, pour l'amour de Dieu, on ne pourrait pas oublier le passé. Et comment veux-tu que je fasse? Nous vivons dans la maison qui était la sienne, nous dormons dans la chambre où elle a été assassinée. C'est comme si son fantôme me pesait un
Ne dis pas ça. En permanence sur les épaules. Ne dis pas ça. Les morts ne reviennent pas. Mais les souvenirs, oui. Tu crois que c'est facile pour moi de savoir que jamais tu ne m'as aimé? Tu crois que ça a été facile? Santiago est en train de répéter exactement la même histoire, alors comprends ma douleur. Je m'excuse. Franchement, Sandra, qu'est-ce que tu trouves à mon frère alors que vous êtes si différents? Ça, je ne sais pas. Mais j'adore ton frère. C'est l'homme de ma vie. Je viens de te dire que vous êtes très différents. Toi, tu aimes faire la fête, manger dans les restaurants 4 étoiles. Lui, il préfère lire un bon livre ou s'isoler sur son ordinateur. Dégoûtant. Bon, écoute, je crois que mon frère a besoin d'une femme comme moi. Une vraie femme du monde. Qui lui apprend les bonnes choses de la vie. Ça ne me regarde pas. Ne te fâche pas, mais il n'a pas besoin qu'on lui enseigne quoi que ce soit. Ça, je m'en fiche. C'est lui que je veux. Mmh. Comme tu veux. Au fait, j'ai une question. Dis-moi, quel âge as-tu? 20 ans. 20 ans. J'imagine que tu n'as pas de copain. Non. Tu sais, je ne sais pas. Il faudrait que tu t'arranges un peu plus. Non, pas que tu sois moche, au contraire, mais tu es trop simple. Enfin, ne le prends pas mal. Non. Je crois qu'il faut que tu t'arranges parce que tu ne sais pas comment faire. Non. Alors, laisse-moi te voir. Non, ma chérie, il faut t'habiller différemment. Je ne sais pas, mettre des robes plus sexy, plus attirantes. Montrer pour vendre plus? Exactement. Celle qui ne montre rien ne vend pas. Celle qui montre trop va les effrayer. Avec toi, dis-moi, ça ne fonctionne pas beaucoup. Je veux dire, tu en montres et Santiago n'achète pas. Mon père Vincent, ça tombe bien que je vous rencontre ce soir, dis donc. Je viens de donner un service d'urgence à Madame Cello. Je lui ai appliqué de l'huile sainte parce qu'elle est bien malade. Ouais, c'est bien triste. Et toi alors, qu'est-ce que tu fais ici, comme ça? Mon père, je viens juste de sortir du cabaret. J'allais vers votre maison. Non, mais enfin, pourquoi? Il fallait que je vous parle de toute urgence. Pourquoi, à cette heure-ci? Mais parce que c'est important. Bon, encore qu'il est un peu tard pour se confesser. Et ici, non? Non, je ne veux pas me confesser, mon père. Je dois vous dire un truc. Toi, tu m'inquiètes. Vas-y, dis-moi qu'est-ce qu'il y a. Non, attendez. Non, moi, je n'ai aucun problème. C'est Daniela qui en a. Non, ma petite Daniela? Oui. Elle a rompu avec son millionnaire? Non, mon père. C'est beaucoup plus sérieux. Tu m'inquiètes vraiment, Yamina. Vas-y, dis-moi. Daniela est en danger, mon père. L'ordure d'Antilia veut la vendre au vieux Camelo. Non. Et je vais l'acheter, je te jure. Je vais acheter cette Daniela. Ne dites pas de bêtises, les gens ne s'achètent pas, monsieur Carmelo. Elle si. La vieille peau d'Ottilia m'a demandé de l'argent pour elle. Serre-moi un autre. Non, arrêtez, mieux vaut que nous partions. Attends d'ici si tu veux. Firmin, moi cette gamine, je l'aime bien. Oui, je vais chercher un verre. Je suis ivre mort à cause d'elle. Je suis ivre de sentiments. Ah, je te dis, si on me la vend pas, moi je vais l'enlever. Je ne peux pas vivre sans elle. Je ne peux pas. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour embrasser Daniela? Non, ne rêve pas, Augustin. Daniela? Oh, tu ne sais pas comme j'avais besoin de voir mon meilleur ami. Je suis au fond du trou, Augustin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de mon copain. Ah, oui, le fils à papa. Comment tu le sais? Tout le monde est au courant. Tu passes avec lui en voiture et vous faites des tours dans le parc. Les gens parlent, Daniela. Oh, qu'ils parlent. Je m'en fiche, ça n'a pas d'importance. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis que pour une job, je n'ai pas compris.
C'est mon fils à papa et je suis une pauvre diable. Ne dis pas ce genre de choses, hein. Écoute, dans le quartier, il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Oui, comme Gramello. Au fait, pourquoi tu as rompu avec lui? Bon, mon copain, c'est lui qui a rompu. Comment? Il a rompu avec toi, mais pourquoi? Parce qu'il pense que je suis stripteaseuse. Comment une stripteaseuse? D'où il sort une idée pareille, celui-là? Parce qu'il m'a vu avec les vêtements de Yamina. Et tu sais quoi? Je n'en peux plus lui parler de ça. Je vais te dire une chose, Dani. C'est à prendre comme un conseil. Voilà, pense à ce que je t'ai toujours dit. Ces gens, les riches, ils ne veulent qu'une chose. Une seule chose, des filles qui sont jolies et pauvres comme toi. Non. Lui, il était très différent. Très sincère. Tu vois bien que non. La fracture est bien réelle. Lui est dans son monde, tu dois rester dans le tien. Et en plus, dans ce monde-ci, il y a des gens qui t'aiment. Et qui t'aimeront pour ce que tu es. C'est très mignon, Augustin. Je t'aime beaucoup. Comme si tu étais mon frère. Au fait, dis-moi, qu'est-ce que tu faisais dans le coin? Rien, je traînais pour passer le temps. D'accord. Dans ce cas, à bientôt. Hein? À bientôt. Fais gaffe. Oui. Ah. Tu ne lui as pas donné. Je t'adore. Amour. J'aimerais y retourner et l'embrasser. Aller la voir? Oui. Fiston, pour tout te dire, j'ai l'impression que cette affaire te dépasse un peu, hein? Évidemment, cette fille n'est pas pour toi, comprends-le. Oui, je le sais, maman. Il y a quelque chose? Non. En fait, si. Elle n'est pas la femme que je croyais. Mon fils, écoute, pour toute... Je suis désolé. Sincèrement désolé. Entrez. Je t'amène un jus de fruits et des tartines. Hein? Bonjour, toi. Tu ne me dis pas bonjour comme d'habitude. Bonjour. Tu as mauvaise mine. T'es très gentil. Non, 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 je ne dis pas en pensant à mal, je m'inquiète. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. De bien sérieux. Je suis venue parce que je veux m'excuser. Pourquoi? Parce que j'ai été têtue. Et j'ai essayé de t'obliger à m'aimer et... Je ne veux pas perdre ton amitié. Nous n'avons jamais cessé d'être amis. Non, mais depuis que je suis rentrée, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et vraiment... Je veux qu'on reste amis pour toujours. Écoute, viens. Je vais te dire quelque chose. Tu pourras toujours compter sur moi. Ne comptez pas sur moi. Karina! Certainement pas. Qu'est-ce qui vous prend? Quand est-ce que vous allez comprendre que Santiago est libre d'aimer la personne qu'il a envie? Il a dit lui-même que cette fille l'avait déçu profondément. Mmh. Et c'est le meilleur moment pour qu'il se réconcilie avec Sandra. Pardonne-moi, maman, mais Sandra n'est pas franchement mieux que l'autre, hein?
Pour l'amour de Dieu, Karina. Entre les deux, il existe un fossé énorme. Tu ne peux pas les comparer, s'il te plaît. Non, maman, mais ça ne veut pas dire que Sandra est mieux. Ma chérie, avec toi, on ne peut pas discuter. N'y fais pas attention. Non, parlons plutôt de mon grand-père Anthony, le bon exemple. Tu as fait quoi hier soir? Il est sorti avec ses amis, n'est-ce pas, chérie? Oui, maman. Lesquels? Quelques amis sans importance. Pourquoi tu ne manges pas, Teresa? Mes enfants! Mais qu'est-ce qui... Pardon! Par quel joli, enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, je vous jure. Oh, retourne en cuisine ces derniers temps, tu es vraiment incapable. Oh, mon Dieu, le petit personnel. Tu vas bien? Oui, 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 juste un peu brûlé. Tiens, mon garçon, fais-toi. Bon, je reviens tout de suite, ma reine. Je vais chercher du pain. Ne tarde pas, Dadela. Parce qu'à moi, on ne me ment pas. Tu vas retrouver ton idiot, là. Entrez! Mais entrez! Je sais que tu veux vendre, Daniela. Mêlez-vous plutôt qui vous regarde, mon père. Écoute, ma fille, tu ne peux quand même pas faire ça. Ça fait des années que je m'occupe de Daniela et du légume. Il est temps que j'y gagne au change. Tu ne peux pas vendre un être humain, tu comprends ça? Écoutez, ne vous en mêlez pas. Vous allez savoir qui je suis, mon père. Antilia! Quoi? Écoute, je ne vais pas te laisser faire du mal à Daniela. Et si tu continues, je vais prévenir la police. Daniela n'a personne pour la défendre. Ça ne lui donne pas le droit de te mentir. Non. Ce qui m'a blessé, c'est qu'elle... Soit une stripteaseuse. Oui. J'imagine ce que tu as dû ressentir quand tu l'as vue danser, non? Ça ne lui ressemblait pas. Elle était habillée avec... avec ses vêtements. Elle était comme une étrangère. Écoute, beaucoup de femmes ont un travail normal le jour, et puis la nuit, font des extras de ce genre. Ça n'est pas important qu'elle soit stripteaseuse. Non. Elle peut faire ce qu'elle veut de sa vie. Là, je ne te comprends plus. Si ça ne te dérange pas qu'elle fasse ce métier, alors pourquoi tu es si énervée? Parce qu'elle ne me l'a pas dit et qu'elle m'a menti. Je ne supporte pas qu'une femme ne soit pas sincère. Tu sais que je déteste les mensonges, ma reine. Et lui, il est parti très en colère. Parce qu'il croit que je suis stripteaseuse et je ne le suis pas. Même si je l'étais, j'ai voulu lui dire. Mais il ne m'a pas laissé parler. Il m'a juste regardée avec tristesse. Et ça m'a fait très mal au fond de mon âme. Ah, ma chérie, je donnerai tout pour que tu ne souffres pas. Qu'est-ce que je peux y faire? Ce qui est dur, c'est qu'il me manque à chaque instant. Je ne fais que penser à lui tout le temps. La feutine, l'amour, ça fait mal, ma chérie. Je suis sûre qu'il ne sera plus jamais de me retrouver. Jamais. S'il ne revient pas, j'en mourrai, ma reine. J'en mourrai. Si au moins je pouvais communiquer un peu avec toi. Ah, mon Dieu, si je pouvais. Je vous ai dit. C'est juste mon imagination. J'aimerais tellement que tu puisses communiquer. Mais c'est impossible. Tu sais que je t'aime très fort, non? Regarde-moi. Regarde-moi. Tu sais, petite, je rêvais que tu parlais. Oh, mais là, ce ne sont que des bêtises de mon imagination. Tout ce que j'ai dit est faux. Je meurs d'envie de la voir. Excusez-moi, monsieur. Votre mère m'a demandé de vous monter ses serviettes. Est-ce que je peux les déposer de ce côté? Ah, Teresa, ne t'en fais pas. Je vais m'en charger, d'accord? Tu vas où? Je n'en peux plus. Je vais la retrouver. Mais quel idiot! Et toi, la pauvre greluche, je te déteste, je te déteste! Oh là, madame Sandra! J'entends ce que tu veux. Sors d'ici! Sors d'ici, sale boniche!
Au fond du couloir, vous trouverez les ascenseurs. Merci. Salut. Tu es la réceptionniste, non? Dis-moi, il faut que je parle avec M. Rodriguez. Comment je fais? Tu pourrais au moins me répondre, non? Mademoiselle, vous n'avez rien à faire ici. Comment rien à faire? Je viens de dire à l'autre là que je voulais parler avec M. Rodriguez. Mieux que vous vous sortiez avant de déclencher un scandale. Non, 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 pas de touche, hein? Pourquoi la baraque, elle doit me sortir? Je veux juste voir le proprio de la boîte qui travaille ici. Parce que vous ne pouvez pas rester ici. Ah oui? Vous croyez que M. Rodriguez ne peut pas connaître une fille comme moi, c'est ça? Alors pour ton information, M. Rodriguez est mon pote, hein? Alors écoute-moi bien. Je t'avertis pour une chose. Excusez-moi de vous déranger, monsieur, mais on m'a prévenu qu'à la réception, il y a une femme qui insiste pour vous parler. Mmh. Elle fait même un petit scandale. Ne me touchez pas. Je ne réponds plus de rien quand on m'énerve. Je ne sortirai pas d'ici tant que vous ne m'aurez pas laissé parler avec lui. Bon, Sarah. Alors appelez monsieur Rodriguez. Amène-la en salle de réunion. Non, je vais... Mais laissez-moi, vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça. Vous en êtes sûr, monsieur? Fais ce que je te dis, s'il te plaît, Sarah. Monsieur, monsieur, tout de suite. Au secours! Vous n'avez pas le droit de me traiter comme ça! Je veux parler avec monsieur Rodriguez, c'est compris? S'il vous plaît. Je ne bouge pas d'ici! Je ne bouge pas, je ne bouge pas, je ne bouge pas! Je ne bouge pas, je vous l'ai dit. S'il vous plaît! Notre père qui est aux cieux. Bonjour mon père. Bonjour mon fils. Que puis-je faire pour toi? Je cherche une personne, une jeune femme que vous connaissez. Elle s'appelle Daniela. Ah, dans ce cas, tu dois t'appeler Santiago. Ce qui veut dire qu'elle vous a parlé de moi. Et pourquoi est-ce que tu cherches Daniela, si je peux me permettre? Je dois lui parler d'une chose très importante. Alors ça, c'est plutôt vague. Tu ne trouves pas? Écoute, avant que je te dise où est Daniela, je voudrais en premier lieu savoir si tes intentions pour elle sont bonnes. Daniela est une gamine innocente que moi j'aime beaucoup. Innocente, mon père? Elle a perdu son innocence en travaillant au cabaret. Au cabaret? Oui. Tu parles bien de ma Daniela? Oui, mon père, de Daniela, la pauvre diable, la dévoreuse d'hommes. La quoi? Je ne sortirai pas d'ici, je ne bougerai pas, je ne bougerai pas. S'il vous plaît, ne me touchez pas. Laissez-la passer, monsieur Rodriguez l'attend dans son bureau. S'il vous plaît. Tu vois? Hmm? Tu n'auras pas besoin de me casser le bras. Hein? L'ascenseur, c'est par là, non? Comment ça, Daniela est une dévoreuse d'hommes? Qui a inventé une ignominie de la sorte? Ce n'est pas une invention, je l'ai vue de mes yeux. Dans un cabaret, elle était habillée comme... Et des hommes ivres qui l'appelaient pour la voir. Et alors toi, qu'est-ce que tu fais? Rien, je ne pouvais rien faire. Je suis sorti en courant. Ah, et sans même l'écouter? J'étais fou de rage, mon père, parce qu'elle m'a menti. Ah oui? Enfin, est-ce que j'ai cru? Et tu as cru quoi? J'ai fui. Écoute, je connais Daniela depuis qu'elle est toute petite. Et si vraiment tu t'intéresses à elle, et si véritablement tu l'aimes, il va falloir que tu commences à lui faire confiance. Ce n'est pas une stripteaseuse. Crois-moi, hein, nous les curés, on ne peut pas mentir, parce que nous prenons le risque d'aller brûler tout en bas, en enfer. Ah, crois-moi, quand je te dis qu'il n'y a pas de fille plus douce, plus pure et plus gentille que Daniela, allez, demande pardon pour les bêtises que tu as pensées. Tu demandes pardon? Oui, mon père. Alors ça, mate un peu l'immense bureau que voilà. Ah, dis-moi, si je bouge la table qui est là et que je la rapproche vers là, j'aurai de la place? Parce que ici, on pourrait faire manger tous les orphelins du père Vincent. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur arrive tout de suite, d'accord? Oh, oui. Je vous en prie. Mais laquelle je prends? Celle que vous voulez. Sérieux? Oui. Alors ici? Merci, hein? Ah, vous voulez que je vous offre un café? De l'eau? Oui, un café, d'accord. Un café. Et si tu as une gâterie à rajouter, ça c'est super cool, hein? Une gâterie? Ben oui, je sais pas, un gâteau ou un croissant. Merci. Oh, mon gâteau! Bonjour, l'humeur. Merci quand même pour tout, hein?
ça. C'est trop beau. C'est du vrai bois des arbres. Voici le café. Merci. Ne touchez pas aux affaires de monsieur, s'il vous plaît, d'accord? Non, je ne touche à rien. Incroyable! Tout est tellement beau ici, je te jure. Oh non, j'ai renversé. Alors. Tu vas me dire enfin qui tu es et ce que tu veux, d'accord? Quoi de neuf, fils à papa? On nous a dit que tu traînais encore une fois dans le coin. T'as pas peur qu'on vienne te rayer ta bagnole? Je suis réglo, les mecs. Là, je m'en vais. Où ça? Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu viens faire ici, hein? Je n'ai pas peur! Tu restes là et tu te tais. Écoute-moi bien. Si tu ne t'éloignes pas de mon fils, je suis capable de tout, c'est compris? Capable de tout, hein? Tu te tais! Pour la dernière fois, tu te tais et tu ne mords plus! Je te préviens! Allez, rentre là-dedans, dépêche-toi! Ah! Reviens! Qu'est-ce que tu cherches? T'en as pas assez des petites minettes dans ton quartier pour que tu viennes taper dans les nôtres? Du calme, je suis juste venu parler avec le prêtre. Hein. Ne me touche pas! Mais qu'est-ce qui se passe? Bande de fous furieux, mais lâchez-le, bande de voyous! Ah, mais c'est pas vrai! Mais enfin, Santiago, tu es fou! Quoi est-ce que tu pensais? Tu n'as pas vu qu'ils étaient plus nombreux? Allez, viens! Au moins, j'en ai eu un, mon père. Mais oui, il est bien plus fort que toi. Hein? Allez, viens. Comment as-tu pu avoir une idée pareille, mon Dieu? Aïe. Bonjour, Carmelo. Ottilia. Ne crie pas, s'il te plaît, sinon tu vas me fendre la tête en deux. Comment est-ce qu'on peut saouler alors qu'on n'est même pas capable d'assumer la gueule de bois comme un homme? Comme un homme? Tu vas voir si je ne suis pas un homme, Ottilia. Regarde. Dis-moi, Carmelo, c'est de la pépière. Que tu vois que je ne suis pas du genre à jouer avec Daniela, tu peux lui dire que je suis très sérieux. C'est une bague de fiançailles. Ottilia, tu crois que je vais arriver à la convaincre? Ne perds pas espoir, Carmelo. Je ne sais pas pourquoi elle t'a pas encore dit oui. À mon humble avis, tu n'as plus qu'à le lui demander. Donne-moi ça. Oui, Daniela est à toi. Ça se voit que vous êtes fait l'un pour l'autre, Carmelo. Il te reste plus qu'à insister un peu et elle dira oui, Carmelo. Ottilia, nous avons des affaires en cours. Et ceci fait partie du traité. Mais je commence à me fatiguer de tout ça. Occupe-t'en. M'en occuper? Bon. Alors laisse-moi m'en occuper. Bon, c'est d'accord. Ne sois pas trop impatient, l'amour c'est comme ça. Ouais. Parce que tu connais la qualité de la marchandise que je te livre. Daniela n'est pas n'importe quelle femme. Et ça tu le sais, Carmelo. Je vais en parler à la petite. Je lui donnerai ça de ta part. Aïe, ma petite Daniela. Oh, je suis vraiment trop bête. Le père de Santiago s'appelle aussi Monsieur Rodriguez. Pourquoi je n'y avais pas pensé avant? Ce vieux machin ne me porte pas dans son cœur. Où est-ce que je vais pouvoir retrouver Santiago? Alors. Non, reste tranquille. De toute manière, ça va te faire mal. J'espère que ça va te faire réfléchir maintenant.
Tu ne te rends pas compte, ces gamins, ils ont fait leurs armes dans la rue. Tu ne peux pas te battre comme eux, comme ça, hein? On doit toujours réfléchir clairement quand on met les pieds quelque part. Est-ce que tu as compris? Mon père! Santiago? Daniela? Santiago, il faut que je t'explique. Tu dois me croire, je ne travaille pas dans cet endroit. Daniela, pardon, j'aurais dû t'écouter. Je n'arrivais pas à être tranquille en pensant à l'idée que tu avais pu te faire de moi. Et si tu t'en vas, ça me fait mal dans mon âme, rien que d'y penser. Tu dois me croire, je te jure. Pardon, Daniela. Je ne voulais pas te faire de mal. Que ferais-je sans toi? C'est vrai, tu me crois? Rappelez-vous quand même que nous sommes dans un endroit sacré. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, rien, rien, c'est une petite coupure. Une petite coupure. Je vais soigner ça. On voit que tu payes pas l'électricité. Regarde. Parce que regardez, tu peux faire encore, pas vrai, cousine? Tu sais ce que c'est? C'est une grosse bague de fiançailles. Et tu sais qu'est-ce qui est l'heureuse élue? Ta filleule Daniela. T'en dis quoi? Et elle va épouser Carmelo. Regarde un peu la bague qu'il lui a achetée aujourd'hui, regarde-la. Je pense que c'est dans ton intérêt. Enfin, notre intérêt à tous. Et il est grand temps que Daniela se rende finalement un peu utile. Et une fois qu'elle sera mariée, je vais avoir de l'argent pour sortir mon Louis de la prison. Et une fois qu'ils seront mariés, Carmelo se chargera de faire découvrir à Daniela la vraie vie. Parce que cette idiote croit qu'elle vit dans un conte de fées et quelqu'un doit se charger de lui enlever ses stupides histoires de la tête. Qu'est-ce que tu as? Je ne suis pas en retard quand même. À dire vrai, ça m'a paru une éternité. Tu dis toujours des choses très belles. Ça fait des choses bizarres ici, comme... Comme des papillons? Exactement. Tu sais, je me suis entraînée à écrire tous les mots que tu m'as appris. Je les ai tous bien retenus. Oui, ça veut dire que tu as un excellent professeur, non? Oui. Ce n'est pas suffisant, alors commençons. Oui, je le sais, mais ça ne m'est pas arrivé comme ça d'un seul coup. Je sais que tu veux que je sois parfaite. Et comme dit le père Vincent, la perfection n'existe pas à part Dieu. Pour moi, tu es la perfection. Non, c'est vrai. Oui. Alors pourquoi tu m'apprends alors? Ça fait honte que les gens sachent que je ne sais ni lire ni écrire. Tu ne m'aimerais plus à cause de ce que les autres pensent. Daniela, jamais je ne cesserai de t'aimer pour ça. Ce que je ressens pour toi est ancré au fond de mon cœur. Alors je t'enseigne tout ça simplement parce que je veux t'aider. Et ça va te faire du bien. Mais je t'aimerais pareil si tu ne savais rien. Je t'aime comme tu es, c'est tout. Tu m'aimes à ce point-là? Dis-moi, tu connais la mer? Non. Enfin, si, un peu à la télé. Alors imagine la grande et profonde. C'est ce que j'éprouve pour toi. C'est très important pour moi de lui dire, personnellement, qu'il n'y aura pas de grâce. Oui, bien sûr. Allez-y. Par contre, vous n'avez que 15 minutes, monsieur Angelo. Tu sais, quand je saurai lire et écrire, j'aimerais bien trouver un boulot sympa. Je ne sais pas, comme une réceptionniste. Ou un suit qui doit être très élégante derrière des grosses machines sur lesquelles tu écris à toute vitesse. Tu veux dire un boulot de secrétaire? Oui, c'est ça. Un de ces trucs, mais où tu dois écrire très vite. Oui, comme une sténodactylo. Attends, pas l'insulte, j'aime pas trop ça. Hein? Je ne t'insulte pas, ça s'appelle comme ça. Ah, dans ce cas, non, pas ça. Je voudrais un bon boulot, où on me paierait bien pour prendre soin de Michaela et de Julia quand elles seront plus vieilles. Daniela, tu es si gentille. C'est pour ça que je t'aime tant. Non,
non, c'est vrai. Jure-moi que jamais tu ne cesseras de m'aimer. Non, bien sûr que non. Non? Non, je veux dire que jamais je ne cesserai de t'aimer. Qu'est-ce que tu crois? Attends un peu. Où tu vas? Attends là. Attends-moi là, hein. Ne triche pas. Non. C'est un joli cœur. Un cœur. Avec un D. Et aussi un S. Oui. Le D de Daniela. Et le S. C'était trop demandé qu'il me donne quand même cette grâce. Si Dieu a voulu que je reste enfermé toutes ces années dans cette prison, je ne vois pas pourquoi il me laisserait sortir avant le temps restant. Mais puisque tu es innocent, tu ne mérites pas d'être ici, Dieu le sait. Tout va s'arranger, Diego. Tu désires quelque chose? Non. En fait, si, Angelo. Dans ma cellule, il y a une photographie de Daniela. Vois si tu peux me l'amener. La voir me réconfortera. Bien sûr que oui. Je vais voir de suite comment tu peux te la faire ramener. Merci, Angelo. Ne laisse pas tomber, je ne t'abandonnerai pas. Il s'est passé beaucoup de temps. Mais je crois que maintenant le vent va enfin tourner pour toi. Oui, Angelo. Marraine, je suis de retour. Et t'étais où? Au parc pour ma classe. T'es une feignasse, t'es encore avec cette histoire de classe. Tu devrais arrêter de rien faire et voir la vie sérieusement. Je la prends en sérieux, hein. Et si j'étudie, c'est pour vous aider, toi et Marraine, alors. Mon Dieu, comme t'es gentille, hein. Moi, je sais comment tu vas nous donner un coup de main maintenant. Viens, prends ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouvre-la, c'est une surprise. Mais c'est une bague et c'est pour qui? Pour qui? Mais c'est pour toi. Ça vient de Carmelo, alors mets-la tout de suite. Non, jamais je ne mettrai la bague de Carmelo. Lâche-moi. Lâche-moi, Tilia, je ne peux pas la mettre. Alors lâche-moi. Oh, Tilia, déjà tu me lâches. Si tu la mets pas. Je ne la mettrai pas, ça, jamais. Parce que c'est une bague de fiançailles. Déjà tu me lâches, jamais je ne veux la mettre. Tu te maries dimanche. Quoi? Dimanche, tu te maries avec Carmelo.